La puissance étant l'énergie divisée par le temps, on peut donc produire des puissances extrêmement larges avec très peu d'énergie, à la condition qu'on produise cette énergie dans un temps extrêmement bref. Et dans notre cas, les temps dont on parle, c'est un millionième de milliardième de seconde. Hein. Et avec un millionième milliardième de seconde, on peut produire des puissances qui sont 1000 fois la puissance du réseau électrique mondial. Et donc, bien sûr, maintenant, on peut utiliser cette puissance pas pour détruire, pas pour des applications militaires nécessairement, mais pour la science et pour la société.